Amis, on va essayer de faire un cours ce soir sur la doctrine, entre guillemets, messianique. C'est-à-dire, en fait, sur on va voir un certain nombre de secrets sur le Machiav, avec l'aide de Dieu. Mais, puisque aujourd'hui, ce soir, on est 5 Iyar. On avait quoi de chez moi? Ce soir, on est le 5 Iyar. Et que. Bezat Hachem, il y avait toute une animation aujourd'hui, on est à Tisraël, Yom HaAtzmaout, qui est devenu une grande fête nationale dans le peuple juif, et qu'on soit plus ou moins d'accord ou pas, c'est quand même quelque chose qui est accepté maintenant par le Ham Israël, de plus en plus. Donc c'est quelque chose qui est important. À part ça, le fait aussi que, d'ailleurs, il y a des Remazim dans le Harizal sur cette date. Remazim subtil, mais il y a un événement évidemment qui est très important et qui est, c'est le fait que quand même les Béné Israël soient retournés sur leur terre, ce qui était attendu depuis 2000 ans. Donc il y a ici, on vit une période qui est une période du Kibbutz Galouyot. Comme le Rambam l'a expliqué, que le Kibbutz Galouyot, ça commence avant le dévoilement effectif du Mashiach. Alors maintenant, c'est sûr que bon, là, on parlait tout à l'heure de ces idées-là, et on peut parler effectivement de dire que d'un côté, des Juifs qui ont rejeté la Torah et qui ont construit Israël, enfin l'État d'Israël, est-ce que du coup, est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on n'accepte pas? En tout cas, c'est une réalité qui est là, de toute manière, premièrement. Et deuxièmement, peut-être qu'on peut essayer de parler un tout petit peu, pour préciser une pensée qui n'est peut-être pas toujours très bien connue ici en Koutz-Laretz, qui est la pensée du Rav Kook, qui, même si c'est une pensée qui a été sur laquelle beaucoup n'étaient pas d'accord jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il avait une pensée qui était assez originale. Lui, il vient d'un milieu litaï au départ, il est de Vologine, l'école du Gras, et... Il était, je crois qu'il a pris avec le Natsiv. Il y a aussi la Kabbalah avec le Lechem Shebo Verchlama, le Rav Eliashiv, un grand Mekoubal. Lui, il a développé une pensée qui est extraordinaire en réalité, qui est vraiment très importante. Il faut d'abord savoir que il n'était pas du tout content du fait de cette construction. Lui, il était avant l'indépendance. Hein. Il est mort, je crois, en 1935, quelque chose comme ça. Mais il n'était pas du tout content de la tournure du fait que le Yeshuv était dirigé et prenait une direction qui était contre la religion. D'accord. Par des gens qui n'étaient pas religieux et qui prenaient une direction contre la religion. Au contraire, il se battait contre ça. Mais cependant, il a une vision très profonde, par exemple, il a une très profonde du judaïsme, en particulier, par exemple, de la Tchouva. Pour lui... Ce qu'il explique dans ses sfarim, enfin dans ses discours, c'est que le fond en particulier d'Israël, le fond du ratson, pas le fond de l'intellect, parce que l'intellect, c'est pas quelque chose... Tu peux avoir des belles idées, mais c'est pas ça qui fonctionne forcément. Mais le ratson profond du juif, c'est de faire teshuva. C'est-à-dire que le corps à teshuva, il est en puissance dans chacun. Il peut mettre du temps à se révéler, il peut être bloqué, parce que dans la tchouva, il y a des obstacles, il y a des bilboulim, il y a des bilbouladat. Regardez ici, nous tous, on essaie de faire tchouva tous les jours, et tous les jours, on a des obstacles. Tous les jours, on dit on voudrait étudier la Torah, et tous les jours, on n'arrive pas à étudier la Torah comme on voudrait. Il y a des ikruvim dans la tchouva, mais le ratson pnimi, c'est un ratson de faire tchouva. Et ce ratson-là, il va pousser, jusqu'à ce que fini par... s'imposer, parce que ce qui va s'imposer finalement à la fin, c'est ce ratson pnimi. Et du coup, même si au départ, il y a une période où il y a des gens qui sont contre la Torah, mais leur ratson profond en réalité, c'est qu'ils vont faire teshuvah. Et c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit doucement, progressivement. On voit, il y a des changements. Regarde, par exemple, on était étonnés, les gens s'extasient maintenant, voilà, Netanyahou, il dit des choses très religieuses, et voilà, le Beth Amigdash, on en parle. Il y a quelque chose qui se produit. Ce qui fait chemin dans le peuple d'Israël,
c'est finalement ce désir profond finalement de reconnecter avec sa source, parce que c'est quelque chose qui est dans l'essence même de connecter avec notre source. D'accord ? Alors on peut résister, il peut y avoir des résistances, il peut y avoir des yetzarara, mais c'est pas ça la chose primitive. Donc, même si ça passe par une phase où, au départ, le monde juif est dominé ou est tendu par une dimension chiloni, en réalité, profane, en réalité, derrière ça, il y a un désir de Kdusha qui est caché. Et alors, c'est très profond, il explique ça d'une manière même assez complexe. Par exemple, que le profane et le sacré et le profane, la position entre sacré et profane, entre Kodesh et Chol, c'est rien qu'une opposition apparente. Mais au fond, même ce qui est Chol vient d'une essence qui est Kodesh, puisque tout vient d'Hachem. Donc, ce qui est dans le domaine, si vous voulez, du profane, c'est, le sacré, c'est par exemple c'est Shabbat, c'est les Chagim, des choses comme ça. Mais il y a les jours de la semaine, après vraiment, c'est profane. Non, même chose aussi, tu peux avoir des juifs qui sont dans le Kodesh et d'autres qui sont dans un monde profane, entre guillemets. En réalité, il doit y avoir à un moment une réunion de ces deux choses pour montrer la dimension divine qu'il y a à la fois dans le spirituel, à la fois dans le matériel, par exemple. D'accord ? Ça rejoint le cours de la semaine dernière où tu disais que dans le 1, il y avait la multiplicité. Ouais, exactement. Exactement, ça rejoint cette idée. C'est-à-dire que il y a un niveau d'unité où il n'y a pas de séparation entre le Kodesh et le Chol. Il explique par exemple aussi que... donc, ça veut dire quoi d'abord? Ça veut dire que effectivement, on peut passer par une phase où il y a apparemment une ambiguïté. Mais finalement, on va se rendre compte que même ce qui était profane en Eretz Israël, c'est en fait quelque chose de Kodesh. C'est ce qui corrobore des choses qu'on voit évidemment dans la Kabbalah, où on explique que le niveau de sainteté en Eretz Israël, il est tel que même ce qui est au niveau de la semaine en Eretz Israël, c'est plus élevé que dans le Shabbat en Chutz La'aretz. Alors, il ne faut pas se tromper sur cette idée, parce qu'il y a des gens qui peuvent se tromper, qui se disent, alors du coup, on peut faire n'importe quoi en Eretz Israël, puisque de toute façon, on est au-dessus même des niveaux de Kdusha de Chutz La'aretz. Mais non! Ça veut dire qu'il y a au contraire un potentiel encore plus grand de révélation du divin, y compris même dans les activités apparemment profanes, c'est-à-dire en réalité tout ce qui touche par exemple la société, le monde scientifique, le monde du travail. En Eretz Israël, il peut avoir une dimension qui est en fait plus kadosh encore que tout ce qu'on a connu avant. C'est pour ça que la Torah nous dit quand vous allez revenir vers Israël, alors vous allez faire des vignes, vous allez faire du blé, vous allez travailler la terre. Parce que dans la terre elle-même, dans le travail lui-même, il y a une dimension qui est proche d'Hachem, où on est plus élevé à la limite que dans le désert. Pourtant, tu as l'impression que c'est une irida, parce que tu étais dans le désert, il n'y avait rien à faire. C'était la manne, tu passais ton temps à étudier la Torah. Et maintenant, tu arrives en Eretz Israël et il faut que tu transpires au soleil dans du sable pour faire pousser des plantes. C'est ce qu'on a vu avec le retour des Juifs en Eretz Israël. C'est exactement ce qu'on a vu. Des gens ils sont arrivés, c'était des dunes de sable. Et aujourd'hui, c'est la meilleure agriculture du monde, ou presque. D'accord ? Eh bien, cette idée, c'est que dans ça, il peut y avoir une grande... Il y a un grand potentiel finalement d'attachement et de dévoilement de Dieu. C'est-à-dire que la Torah, ce n'est pas quelque chose de purement spirituel ou purement Kodesh, c'est quelque chose qui inclut aussi le Chol. Mais l'endroit où tu peux révéler qu'il n'y a pas d'opposition entre le Kodesh et le Chol et que tout finalement est finalement Kadosh, c'est en Eretz Israël. D'accord. Eretz Israël a cette possibilité de révéler que le matériel, il est aussi un lieu de dvekout avec le divin. En fait, il faut le trouver aussi en Chutz La'aretz. Mais c'est là-bas, finalement, que ça peut se manifester complètement et de manière complètement harmonieuse pour le Ham Israël. Et pas simplement au niveau des individus, mais aussi au niveau de la nation. Parce que dans l'exil, la nation d'Israël, où est-ce qu'elle est ? Alors, où est la dimension nationale en exil ? Alors, il explique que, en fait, il y a, dans le Klal Israël, si tu regardes comme un ensemble, comme une entité, le Klal Israël, il a à la fois Neshama et Gouf. Ouais. Le côté Neshama, lui, en Gola,
pendant toutes ces années, il a été conservé. Il y avait des communautés qui étudiaient la Torah. Où est-ce qu'il est, le peuple juif? Il est dans ses livres, il est dans sa Torah, dans sa Torah orale, mais il est dans le spirituel. Mais dans le matériel, au niveau du corps, il n'y a pas de corps de la nation. Le corps, il est comme disloqué, comme perdu, en quelque sorte. Ouais. Il y a des communautés, mais est-ce qu'il y a... C'est quoi un corps d'une nation? Un corps d'une nation, il faut qu'il y ait un gouvernement d'une nation, il faut qu'il y ait une armée, il faut qu'il y ait une justice, il faut qu'il y ait des établissements gouvernementaux qui gèrent une dimension nationale. C'est ça le corps de la nation. Ce corps de la nation, c'est lui qui disparaît pendant l'exil. Et c'est lui qui doit renaître au moment du l'inyan de Triat HaMetim, au sens, c'est comme ça que ça a été compris, qui a été expliqué l'inyan de Yechezkel avec les Atzamot Yeveshot, avec les eaux qui sont desséchées, qu'il y a une manière de comprendre de manière allégorique, qui est l'idée justement de la résurrection du corps d'Israël, du corps de la nation d'Israël, qui vient et qui renaît au moment du retour d'Israël. Et ça, c'est quelque chose qui doit passer. Apparemment, même, enfin, ce que dit Rav Kook, c'est que ça passe par une phase, finalement, même si on aurait voulu que ce soit autrement, une phase où il y a une espèce dite gabrout du corps, où le corps, il doit être construit, donc l'accent est mis dessus. Parce que pendant 100 ans, pendant 2000 ans, il n'y avait que la Neshama, il n'y avait que l'étude, il y avait des gens qui faisaient des mitzvahs, bien sûr, au niveau, il y avait des péoulotes qui étaient faits au niveau communautaire, mais au niveau national, il y avait une absence du gouffre. Le gouffre était complètement disloqué. Et maintenant, en quelque sorte, toute l'énergie est remise pour reconstituer ce gouffre. Et effectivement, il faut reconstruire une nation avec des structures et des infrastructures nationales. D'accord. Et du coup, c'est pour ça que, quelque part, il y a, de manière complètement inconsciente peut-être, mais dans une grande partie du peuple, il y a ce désir finalement de se consacrer à ça, en faisant abstraction du côté de la Neshama, ce qui n'est pas une bonne chose en tant que telle, puisqu'on ne peut pas faire sans la Neshama, mais ce qui est nécessaire d'une certaine manière, ou des gens qui pensent, ou qui sentent, ou qui vivent le faire comme une nécessité de mettre l'accent sur le gouffre. Un peu comme quand il faut faire pour Picouar Nefesh, il faut que tu ailles sauver quelqu'un, là ce n'est pas le moment d'étudier, c'est le moment de faire Picouar Nefesh, de faire quelque chose de matériel purement. Et bien ici aussi, il y avait quelque chose, une nécessité de reconstituer quelque chose au niveau purement du corps de la nation. Alors, ça, c'est une étape, parce qu'après, une fois que le corps est reconstitué et que l'âme est aussi revivifiée, et c'est ce qu'on a vu aussi, parce que le développement de la Torah en Eretz Israël, depuis justement les années 50, c'est quelque chose qui a pris une ampleur énorme. J'avais commencé déjà avant, mais ça a pris une ampleur vraiment, une explosion des yeshivot, une explosion de la Torah, et de la quantité de Torah et de la qualité de la Torah, qu'on n'avait pas vu depuis l'époque des Tanaïm. D'accord. Eh bien, une fois que les deux aspects se développent, au départ, apparemment parallèlement, avec une espèce de séparation entre deux mondes, le monde des religieux et le monde des non-religieux, d'accord. Mais ça, c'est une apparence fausse, parce qu'en réalité, il n'y a pas des comme ça et des comme ça, il n'y a que des juifs qui font partie d'une même nation, qui a un corps et une âme. Et à un moment, ce corps et cette âme doivent se réunir. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est que finalement, le matériel ne devient plus un obstacle et que le spirituel est refleurit aussi partout. D'accord. Exactement. Et c'est ce qu'on explique aussi dans la Chassidoute. Dans la Chassidoute aussi, on explique cette idée-là, qu'au moment du Mashiach, le matériel n'est plus un obstacle pour Dieu. Au contraire, c'est pour le dévoilement de Dieu. Au contraire, c'est quelque chose qui aide, qui est un lieu de révélation. C'est quasiment impossible, super difficile, comme disait, quand on se demande du corps du bloc, de ressentir ça à distance. C'est comme nous, voilà, eux là-bas, les enfants, ils naissent, ils veulent faire l'armée, ils veulent ce pays, ils veulent ça, et nous, on entend des trucs, on entend un soldat, ok, bon, le pauvre, ou... La personne ici qui a cette envie, qui a ce... Mais c'est sûr qu'en plus la arrête, t'es beaucoup plus spectateur que acteur, tu vis pas la chose. Tu la vis, ouais. On la vit pas à distance. Le corps de la nation, on le dit, ah, bravo, pas bravo. Un petit peu, si tu veux, dans le sens où de plus en plus les gens s'identifient de plus en plus à ça. Tu vois, par exemple, le discours qui est aujourd'hui de dire que l'État, c'est l'État juif, c'est l'État du peuple juif, c'est une nouveauté.
D'accord. Mais quand on dit l'état du peuple juif, ça veut dire y compris de ceux qui sont aussi en Khouslaretz. D'accord. Ah, bien sûr que au niveau politique, ça, tu dépends pas. Mais au niveau symbolique, au niveau spirituel, tu vas dépendre quelque part de cet état. De plus en plus, il y a cette question qui est posée par les juifs de Khouslaretz d'avoir une espèce de double identité nationale. C'est-à-dire, tu peux être juif français, canadien, américain, et en même temps, quelque part, tu sens que tu appartiens à Israël. Et que quand on dit appartient à Israël, ça veut dire que tu n'appartiens pas simplement au peuple juif qui a été, mais tu appartiens quelque part à cet état-là. Ah, tu n'as pas ta carte, si tu veux, tu n'as pas ta Teoudat Zehout, mais quelque part, tu as peut-être ton mot à dire aussi. Est-ce que tu es d'accord qu'on va partager Yerushalayim ou pas? Parce que ça fait partie de toi. Donc, tu comprends? Mais une dimension active à distance, c'est plus difficile. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que notre place, elle n'est pas ici en vrai. S'il faut dire les choses clairement. Un juif, depuis, mais c'est pas nouveau, depuis 2000 ans, il doit aspirer tous les jours à retourner en Eretz Israël. Aujourd'hui, le problème, c'est que c'est pas simplement aspirer, c'est qu'on peut le faire. Ouais. C'est ça. C'est quelque chose aussi d'important. C'est que la majorité des mitzvot de la Torah sont applicables qu'en Eretz Israël. Alors, exactement. Toutes ces mitzvot. Parce que même tu parlais du matériel du spirituel, mais l'essence des mitzvot qui sont liées de la Torah, il y en a énormément qui sont liées à la terre d'Israël. Exact. La Shemitah, Trumot, Maasot. Énormément. Énormément de mitzvot. Toutes les mitzvot à Toulouse de Baharetz, voilà. C'est quelque chose qui est très, très important. Les Maasrot, les Trumot, sans parler du Beth Amidrash. D'accord. Et de tous les korbanot. Au-delà de l'aspect appartenance nationale, qui est important, la dimension spirituelle qui est partielle ici. Alors, ça, c'est un autre point qui est bien sûr. Tu as raison. Ça, c'est... Là-bas, tu as pris une double chimie, ça veut dire spirituel que tu n'avais pas forcément ici. C'est sûr, c'est sûr. Tu atteins des degrés qui sont. C'est certain. Au niveau d'études, à tous les niveaux. Ça, c'est Bevadaï. C'est impressionnant que c'est voir l'évolution même dans le monde de la Torah. De l'univers. C'est impressionnant. Même le niveau des gens, des enfants. Ouais. Ça dépasse la logique. Ouais, ça dépasse complètement tout ce qu'on a ici, c'est sûr. Ce qu'on avait vu avec le tam du Yerushalmi, c'est le Chacham du Bavi. Mais c'est ça. C'est vrai que c'est pas le poids. Mais ils reçoivent des forces en plus, même on voit, ils sont capables de travailler de 8h du matin à 10h du soir, c'est leur routine. Mais nous on va là-bas, on a peur après. Tu vois, pour les vacances, t'as peur de retourner pour te dire t'as l'alia et tout ça, parce que tu vois ça. Mais ça vient d'eux là-bas. C'est quoi qui c'est ici? On ne travaille pas de 8h à 10h comme ça. C'est bien, On va faire un passage, parce qu'on ne peut pas faire tout le livre. C'est un des grands livres qui a été écrit sur la Géoula, sur le Machien. Il s'appelle le Kol HaTorah. C'est un livre qui est un peu, entre guillemets, contesté, parce qu'il est attribué à Rabbi Hillel Mishkelov, qui était un Talmid du Gaon de Vilna. Mais certains disent que non, c'est pas possible, ça a été écrit par lui. Parce que c'est un livre qu'on a retrouvé que assez récemment. Certains disent que non, c'est pas vrai, c'est pas lui qui l'a écrit. Et c'est un livre qui est un livre assez fondamental dans la pensée du siège religieux. Et on va en dire quelques mots, parce que c'est même si on dit que c'est pas Rabbi Hillel qui l'a écrit, malgré tout, ce qui est marqué dedans, c'est des choses qui sont... qui ont été transmises par le Gaon de Vilna, qui sont écrites dans ses commentaires, par exemple dans ses Pirushim sur le Tikkuné HaZohar ou d'autres Sfarim encore. Alors, il explique là-bas le concept qu'on entend tout le temps sur Machir Ben Yosef et Machir Ben David. Ouais. Il y a les deux messies, Machir ben Yosef, Machir ben David. Alors, il dit comme ça, Shnei Meshichei Adorot, Em HaKochot HaNissiim, HaMachazikim et Kiyum Yisrael, VeChizukam, BeChol Yemei HaGalut,
Vehamesayim anisim beikvot meshicha. Au Chabad. Les deux Mashiach sont en fait des forces miraculeuses, c'est-à-dire quelque chose qui vient d'une dimension supranaturelle, si vous voulez, une dimension spirituelle, une dimension divine, et qui viennent, ces deux forces-là, elles viennent aider le clan Israël pendant tout le temps du Galout. Quelle différence il y a entre ce qu'on appelle Mabi et Mabad, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David? Mashiach ben Yosef, ou à Koharanissi, le Kiyum vechizuk à Gashmi. Mashiach ben Yosef, c'est ce qui vient donner de la force pour le clan Israël à un niveau matériel, qui lui permet de supporter matériellement les épreuves du Galout. Et Mashiach ben David, ou Koharanissi, le Kiyum à Rouhani. Chez Israël, Bichlal ou Bifrat. Donc, Mashiach ben David, c'est le côté miracle à un niveau spirituel. Et ça, on le voit au niveau du Klal ou au niveau du Prat. Alors, la mission de ces deux Mashiach qui sont là dans toutes les générations, elles comprennent beaucoup de Bechinot. Une dimension, c'est évidemment, ça ne se limite pas à une chose. Alors, ces deux Mashiach, ces deux forces qui viennent en fait des Sfirot, Rochma, Obina, de Hatik, enfin dans des niveaux très élevés, mais qui descendent jusque dans le monde concret, eh bien, ces deux forces, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben Yosef, elles se complètent. Elles sont complémentaires et elles s'aident. Mashiach ben Yosef, Besod, Od Yosef Chai, ou Mashiach ben David, ou Besod, David Meler Israël, Chai Vekayam. Donc, les deux, il y a cette notion de. Chay et de Chayim. Em Chayim ve Kaimim ve Chol Dor Vador. Et ils sont, comme on dit, Od Yosef Chay. Yosef, il est toujours vivant, même dans toutes les générations. Et David Meler Chay ve Kaim, il est aussi vivant dans chaque génération. Donc, il y a cette puissance messianique de Yosef et David qui est là dans chaque Dor. Et Umashpim Zelazé, Kol Echad Mikor Vuzgula Trunato Veskukim Zelazé. Donc, l'un et l'autre, ils s'entraident, ces deux forces qui se complètent et qui ont un développement mutuel. Merci. Bilada, hein. Et parallèle, non? Et parallèle, exactement. Sans ces forces-là, qui viennent dans chaque génération, le clan Israël n'aurait pas pu se tenir un instant, Chas v'Shalom. Rak she'em nistarim. Sauf que ce sont des forces qui sont cachées. Bekochoteem ou bedmutam. Betartonim Kolzman chez Beavonot Arabim Israël Veshrinat Begaluta. Tant que on est en Galoute, ces forces messianiques, elles sont, qu'on appelle Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, elles sont encore voilées. Oui. Et à nous de savoir, chez Shnei Akochot Hagdolim Haele, Yecholim Lifol ou Lehashpia Mekocham. Malgré tout, elles sont là, elles, même si on ne les voit pas, on peut être sûr qu'elles peuvent fonctionner. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait trop d'obstacles. Alors, si on rentre un peu plus dans la Kabbalah, ces deux notions de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, ils dépendent de deux forces de la Shrina qu'on appelle Léa et Rachel, qui sont les deux noms de la Shrina. D'accord. Léa et Rachel, c'était les deux femmes de Yaakov, mais c'est aussi deux forces de Dieu. Et c'est pour ça que, puisque Yaakov, il avait deux femmes, essentiellement, les autres, c'était secondaire, puisqu'il avait ces deux femmes, du coup, aussi, il va y avoir ces deux Mashiach qui vont sortir. Aïnou, Dat ou Malchut, Aré, Mashiach ben David, ou Amashpia et Asheva Elion, ou Mashiach ben Yosef, ou Amekabel, ou Motsi, les Poel, Bebechinat, Yehuda, Sheitzil et Yosef. On voit que Yehuda, il a sauvé Yosef. D'accord. C'est lui qui a dit à ses frères pourquoi on va le tuer, etc. Ça représente l'idée que la force qu'on appelle Mashiach ben David, elle vient, elle descend d'en haut, et elle vient donner une force à Mashiach ben Yosef. Vim bebechinat Yosef ve Yehuda, aynu yesod ou malchut. Quand on regarde du point de vue maintenant de Yosef et Yehuda, ça s'appelle Yesod Malchut. Yosef, c'est Yesod. Et David, c'est David Amener, c'est Malchut. Yosef, c'est Yosef Hatzadik. Bechinat Tzadik, c'est Bechinat Yesod. Yesod Tzadik, Yesod Olam. D'accord. C'est la Sfirat Yesod. Aré Mashiach ben Yosef, ou Amashpia,
ou Machir Ben David ou Amekabel. De ce point de vue-là, on voit que, au contraire, c'est Machir Ben Yosef qui est Mashpia, parce que le Yesod, il est toujours Mashpia dans la Malchoute. Il y a Yesod qui donne dans Malchoute. Yesod, c'est Zahar, Malchoute, c'est Nekeva. Donc, un, il est Mashpia, l'autre, il est Mekabel. Mais, alors, d'un côté, si on regarde à la source, on a l'impression que c'est Machir Ben David qui amène la force à Machir Ben Yosef. Il faut prier pour. Il doit prier pour pas que Machir Ben Yosef meure, etc. Et c'est lui qui lui amène la Hashpa. Et d'un autre côté, on voit que c'est Yosef qui est Mashpia sur David. C'est pour ça que. Le gars, il s'avance vers Yosef. Ve kolzot, exactement. C'est la malchoute qui revient vers Yesod. Ve kolzot be'atralta de geula, c'est bechinat isha kitazria ve'yad azacha. Ve kolzot i be'atralta de geula. Tout ça, on le retrouve au moment du début de la geula. Bizman she'etz Yosef ve'etz Yehuda em achadim be'yadecha. Comme on le voit dans la prophétie de Yeheskiel. Qu'au moment de la Géoula, va y avoir une réunion entre Yosef et David, entre Yehuda et Yosef, les deux arbres qui sont réunis dans sa main, dans ta main. Keshem Shadaim kitre palgegufa, bedarga itaruta deletata, aval behashlamata Géoula, sheaziyu, shnea etzim lechad beyadi, beyad Hashem, aziyu. Gamem ketrin re'im delomit parshin ve'ayush ne'em le'echad. Le meler ha-mashiach shi'u bedargad ria me'emna ala goel ha-acharon shi'u moshe rabbeinu ala vashalam. Donc ici, écoutez bien cette idée, parce que c'est une idée fondamentale qu'on retrouve dans toute la Kabbalah et dans toute la Chassidoute aussi. C'est qu'au départ, les deux messies doivent être réunis. Ces deux forces qui étaient là pendant toute Galoute, elles doivent être réunies. Ve'ayu le'achadim be'yadecha. Dans ta main, à toi, Yéhézkiel, ces deux forces qui sont réunies, qu'il faut rapprocher et qu'il faut réunir, Vaïgash Yehuda, qui représente ça aussi. Et puis, à un moment, ces deux forces, elles se fondent en quelque sorte. À ce moment-là, elles deviennent non plus Beyadecha, mais elles deviennent Achadim Beyadi, dans ma main, dans la main d'Hachem. Les Had Beyadi deviennent une seule chose dans ma main. Et ça représente que l'idée que finalement, il y a un seul Mashiach. Et ce Mashiach-là, c'est. En fait, Moshe Rabbeinu, ouais, qui unifie ces deux choses. Moshe Rabbeinu, qui peut venir dans un corps de quelqu'un qui est de la tribu de Yehuda, puisque à la fin, c'est quand même Machir Ben David, mais avec l'aneshama de Machir Ben Yosef, les deux sont réunis, les deux forces sont complètement une seule, comme très Rein Delomit Parchin Daminda, comme on dit dans le Zohar, sur Abba Veima, qui sont des niveaux de Yichud, où il n'y a pas de séparation, ça fait un. Tout le temps. Donc la neshama de Mashiach, quand Mashiach il vient, celui qu'on appelle le Meler HaMashiach, en fait, il inclut ces deux forces messianiques. La force du côté, la force de David, la force de Yosef. Le côté spirituel, le côté matériel. Le côté Chochma, le côté Bina. D'accord ? Mais tu regardes, hein, les Israël, il y a ces deux forces-là. Ce qu'ils ont là, c'est un bon spirituel. Alors, c'est ça. Maintenant le travail en Eretz Israël. Alors, toi, c'est ce qu'on va voir. À l'intérieur, tu crois que ça s'oppose, mais c'est comme dans le cerveau, tu as des connexions. Chazak. Mais regarde Eretz Israël aujourd'hui, tu vois qu'il y a une shlemout. Exactement. Tu vois et puis, s'il y avait des forces contradictoires, il n'y aurait pas de construction. Mais le mouvement intérieur, oui. Le courant intérieur qui fait se mouvoir l'histoire, en réalité, du peuple juif, c'est ce courant unificateur. Parce que ce sont deux forces, ces deux forces messianiques, elles sont apparemment opposées, mais elles doivent, c'est ça la prophétie qui a été faite à Yéhézkiel, elles doivent finalement se réunir. Parce que, comme deux forces d'un aimant, elles doivent être attachées. Parce que la nature profonde, le ratson profond qu'il y a dans la création, c'est de retourner vers l'unité. Et en particulier dans les âmes d'Israël qui viennent de ce principe d'unité. D'accord. Donc finalement. Les choses travaillent de l'interne, petit à petit, pour arriver à ce retour et ce rapprochement. D'accord ? Qui au départ est Bessot Vaigash Yehuda, qui est une réunion entre les deux, et les deux qui s'embrassent, d'accord ? Yosef et à la fin, finalement, tout ça est uni dans une même unité, qui est l'unité de Moshe Rabbeinu. D'accord ? Où il y a un seul Meler, finalement. D'accord ? Donc finalement, Mashiach, à la fin, c'est un seul roi. C'est Moshe Rabbeinu qui unifie à la fois le spirituel et le matériel qui va tout gérer. On parle de
on l'a bien connu plus par rapport à toi, et que ma chère Ben Ezra, on dit toujours, il faut qu'il meure d'abord, que ma chère Ben David. Chazvé Shalom. Non, Chazvé Shalom, toi qui es un spécialiste du Ben Ishraï, tu sais que Ben Ishraï, il a écrit des tuilotes spéciales pour que le Machère ne meure pas. Machère Ben Yosef ne meure pas. Parce que, mais ça, ça représente l'idée. Donc c'est une erreur. Non, c'est la Gemara, elle dit, elle laisse en suspens. Est-ce qu'il va mourir ou est-ce qu'il ne va pas mourir? Mais la lumière, il y a une possibilité. Je vois plutôt une transformation du matériel. S'il ne devient plus matériel, et ça fait A, ça gagne plus en spirituel. Donc, je ne sais pas, il est phagocyté, ça y est, il monte en spirituel. Mais au fond, mais là, si tu veux, la mort dont on parle. Je vois, il est transformé aussi. Non, mais la mort dont on parle, la mort du Machir Ben Yosef, Chazvé Shalom, c'est pas simplement à un niveau. Ça peut se comprendre à un niveau qu'un tzaddik, il est dans un Issayon et qu'il ne faut pas qu'il. Et comme on voit par exemple avec Rabbi Yosef Yitzhak ou des gens comme ça qui ont été confrontés à un Issayon où il y avait une sakanat mita, une sakanat mavet sur eux. Mais c'est pas que ça. Et par rapport à ce que tu es en train d'expliquer sur cette idée justement du côté matériel de Machir Ben Yosef, l'idée c'est que l'étincelle divine qui est enfouie au fond du peuple juif, elle ne disparaisse pas. Qu'on n'atteigne pas le 50e degré de Touma, comme on voit dans les histoires en Égypte, les 4-5e, etc. Il faut qu'on arrive à rester, même si tu es parti complètement à l'extérieur de la Torah, mais que tu ne sois pas complètement mort à ton judaïsme. Et ça, Baruch HaShem, c'est ce qu'on voit finalement. Peut-être pas chez tout, il y a aussi une dimension des rêves qu'on va voir tout de suite, justement, si on a le temps. Mais voilà, c'est ça la tikva, c'est-à-dire peut-être, ok, c'est Chofshi Bertsenu, Am Chofshi Bertsenu. T'entends ça, Nathan? Tikva. Même si c'est comme ça. Même si c'est ça. Même si c'est ça. Mais écoute les choses. Écoutez. Parce que si vous rentrez dans la polémique, alors je peux pas. C'est quoi l'idée? C'est qu'en réalité, c'est des gens qui, au contraire, ont une flamme de vie juive très forte. Peut-être pas de Torah, mais d'identité juive qui ressort fortement. Tu le vois aujourd'hui. Tu le vois aujourd'hui. Des gens qui ont un amour de la terre d'Eretz Israël, de Eretz Israël. C'est une âme juive vivante. Et ça, ça s'appelle que Machir Ben Yosef, il ne meurt pas. Tu comprends? Parce que... Alors. J'avais entendu, juste par rapport à la contradiction, j'avais entendu un chidouche. Quand Yosef Hatzadik, il a contré ses parents, et qu'il va engager la Vimida, il écrit que. Vemlo Ikirou, ça veut dire. Ouais. Ils n'ont pas reconnu. Mais lui, il les a reconnus. Ça veut dire quoi? Lui, c'est ma chère Ben Yosef. Et eux, c'est ma chère Ben David. Donc, c'est le côté matériel et spirituel. Lui, ça veut dire que par rapport au saut de la Géoula, à un moment, il y aura un moment où le spirituel ne va pas comprendre. Mais exactement. Mais pendant tout l'exil, Yosef, il est jeté dans le puits. Yosef, il est jeté en Égypte. On ne le voit pas. Il est invisible. Pourquoi il est invisible? Parce que le matériel, c'est quelque chose de méprisable. Il n'y a que le spirituel, il n'y a que la Torah, il n'y a que l'étude. L'humain, c'est qu'on ne peut faire que l'étude. D'accord? Il n'y a pas de possibilité de faire autre chose que l'étude en galoute. Tu peux faire des mitzvot à un niveau individuel, à un certain niveau collectif, mais pas à un niveau national, comme on disait tout à l'heure. Le gouffre, il est rejeté, il est décomposé. Il est enterré. Il va boire rek en bomaïm. Après, dans le puits de Mitzrayim, la prison de Mitzrayim, et les 12 ans, ça représente justement tout le cycle du temps. Et Yaakov, c'est ça. Comment on va retrouver avec Rabbi Shimon Bar Yochai, que Sim Berkunat Bashir Ben Yosef. C'était inconsolable finalement, parce qu'il y avait toute cette spiritualité. C'était ce qu'on peut rajouter, cette dimension-là. Que Yosef, c'est ce côté matériel, cette dimension de Yosef qu'il n'avait pas. C'est le deuil de Yaakov, on pourrait dire, je ne sais pas, peut-être. Le deuil, parce qu'il n'a jamais fini. Mais le deuil de Yaakov, c'est le deuil du peuple juif pendant tout l'exil. Pendant tout l'exil, le peuple juif s'habille comme une veuve, comme quelqu'un, comme un endeuillé, comme Yaakov qui a perdu son fils, Chazvé Shalom. Parce qu'on a perdu tout. On a perdu Yosef, on n'a pas perdu tout, mais on a perdu le gouffre de la nation, on a perdu l'élément unificateur de toutes les branches, des 12 fils, c'est ça les 12 ans. C'est tout le cosmos, c'est l'univers.
L'homme, il est basé sur 12, parce qu'on est à l'image du 12, c'est marqué dans Sefer Yetzirah. D'accord ? Les 12 permutations, les 12 signes du zodiaque correspondent aux 12 membres principaux. Donc, quand il y a une séparation, il y a un éclatement, comme à l'époque des Shoftim, avant qu'il y ait un Meller qui unifie tout, alors les tribus étaient séparées. C'est quoi la différence entre... On dit maintenant, on parle de Mashiach et l'époque de Shlomo, où il y avait pas une guerre, il n'y avait rien, il y avait un roi, il y avait... Shlomo est appelé Mashiach ben David. Il le vivait déjà. C'était Mashiach. Mais il y a eu des moments... Parce que ce qu'on t'explique, c'est que ces forces messianiques, elles sont cachées pendant le Galout, et au moment de la Géoula, elles se révèlent. Mais au moment de la construction du premier Beth Amigdash, c'était un grand moment de Géoula. D'accord. Hazak. Mais tu vois que la génération d'après, hein, il y a eu à nouveau la scission entre Yéroboam et Roboam, c'est entre Yosef et David, et Yehuda. Donc c'était que momentané. Ça a duré le dor de Shlomo. D'accord. Et après, et même dans le dor de Shlomo, c'est peut-être pas 100% complètement. Mais ça, suffisamment pour que ça amène le chalut. Mais au moment de... Hein, parce que les kohotes qu'il y avait dans l'univers n'étaient pas encore assez affinées pour ça. Parce qu'il y a des forces qui empêchent cette union. Il y a des forces de désunion qui s'appellent la citracha. Lui, ils sont pour rien. Mais oui, quelque part, même le plus pochéa qui est Bémézide, etc., quelque part, il est victime d'être prisonnier de la citracha. On peut le voir comme ça, c'est pas pour déresponsabiliser les gens, mais quelque part, c'est sûr que c'est la force d'Amalek qui est derrière, c'est la force du mal qu'il faut arriver à éliminer. Maintenant, elle rentre de tous les côtés, c'est Etzadat Tovara, elle s'infiltre partout. Tout notre travail, c'est d'en faire le birour, d'éjecter le mal et de le transformer. En travaillant d'abord sur l'individu, sur le côté collectif, à tous les niveaux. C'est comme le concept de la Lune, quoi. On va dans l'Aftara de Maha Chodesh. On dit que de Abraham Avinu, jusqu'à Shlomo HaMelech, il y a eu 15 générations. Donc c'est le 15, la Lune, elles sont plus hautes. Et après Shlomo, il y a eu 14. Enfin, on attend le 15e qui sera le Mashiach en tant que tel. Ça redescend jusqu'à la bâche, est-ce que lui revient pour nous remonter parce qu'on a fait la... Exactement. C'est la lune dans sa plénitude, ça représente la plénitude, la shlemout du Ham Israël. Très très bien. Ouais. Donc 15, tu peux dire que c'est 12 plus 3, les 12 avots et 3 patriarches. Ouais, c'est lié avec ça. Ouais. Entre autres, mais... Donc à la fin, il devient un seul, et finalement c'est le Goël Rishon qui est le Goël Acharon, c'est Moshe Rabbeinu, c'est l'âme de Moshe. Bedargat Aleph Agadol Vaya Hashem Lemela Al Kol Haaretz. C'est ce qui est représenté par le grand Aleph. Vechen Bechush Banam Mashiach Ben Yosef Mashiach Ben David Olel Mispar Aleph. Effectivement, si tu écris Mashiach Ben Yosef Mashiach Ben David, en Gematria ça fait 1000. Et 1000, pour écrire 1000, tu l'écris avec un grand Aleph. D'accord ? Parce que dans la Gématria, les 5 sophites, elles comptent pour 500, 600, 700, 800, 900. Le tsad des sophites, c'est 900. Et après, le 1000 est représenté par un grand Aleph. Et ce grand Aleph représente le retour à l'unité après toute l'histoire. Et ce grand Aleph, qui fait 1000 en Gématria, il fait la Gématria de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Ouais. Chazak, ou be'amdenu al sof ha'atchala, alenu lilmod ve'ladat et kol ha'bechinot ve'atafkidim shel shnei meshichin, meshichin tata'in, bedarkei etchalta b'siyata d'Ishmael. Alors, le tachlit de notre avoda actuel dans le kibbutz galuyot, I akamat anshe amana leshem yichud shnei ameshichin beshari Yerushalayim leharzarat hashchina tachlit hageula geula teemet vekidush Hashem. Finalement, dans le kibbutz galouyot, où il y a des juifs qui se retrouvent de tous les côtés et avec toutes les tendances, il faut qu'on arrive à dégager, enfin, c'est pas le mot, mais à trouver et à amener au pouvoir en quelque sorte des hommes qui ont cette capacité d'union.
Et cette capacité d'union, de, pour amener la Shrina, ce qu'on appelle la, ramener la Shrina sur la terre, est le Kiddush Hashem. Alors, voilà, c'est les grands. Alors, ça doit se faire. Béchare Yerushalayim, qui est un concept intéressant, on va essayer de le voir peut-être un peu. C'est Alpi Rebenu Agrazal, allez-nous lavo les Ezrat Hashem be Giborim. Le Gaon de Vilna lui-même, il avait dit qu'il fallait amener des gens forts. Il a envoyé des gens, des Giborim, c'est-à-dire des Giborim dans la Torah, des gens qui avaient une énergie énorme pour reconstruire Yerushalayim. Et en fait, Anetre Meshicha, Velilmod etev kol abechinod vetafkideen aldere ramasse. Et l'idée qu'avait développée à ce moment-là le Gaon de Vilna, qui a généré les premières aliyot, les premières aliyah, et parallèlement, il y avait la même chose qui se passait avec les chassidim du Admor HaZaken, les chassidim de Breslev, les Karlins, certains qui ont fait leur aliyah en même temps que des talmidim du Gras. Mais l'idée était d'arriver à maintenant faire passer ces concepts messianiques qui étaient cachés dans le galout tel qu'on l'a expliqué dans quelque chose qui devient maintenant des poèmes de manière concrète. C'est pour ça que le Gaon de Vilna, il avait supplié ses élèves, en quelque sorte, d'acheter des maisons, de prendre des pierres, de construire concrètement. C'était des gens qui faisaient qu'étudier, mais de mettre déjà concrètement que ça puisse passer maintenant dans une révélation tangible. Alderé ramassé. Atafkid aklali shel shne meshkin babi ou babad, yachad bechol adorot ou agana ou milchama negetch shelochet rashi aklipot. Alors, pour comprendre ce qu'il y a à faire, il faut savoir qu'il va y avoir une lutte aussi. Parce que pendant l'exil, finalement, ce sont des forces spirituelles qui doivent nous protéger. Mais pour protéger, il faut qu'elles nous permettent en même temps de combattre contre nos ennemis. Et c'est quoi nos ennemis? Ce sont des forces spirituelles aussi. C'est quoi? C'est trois forces principalement. La force d'Esav, la force d'Ishmael, Esav étant la clipa de Yitzhak, qui est sortie d'Yitzhak, qui est Keneged Yitzhak, Ishmael qui est Keneged Avraham, et puis il y a une troisième clipa qui va être Keneged Yaakov, qui est le Erev Rav. Ouais. Esav Ishmael ve Erev Rav. Tafkido ameyuchat shel Mishir ben Yosef neged Esav klipat asmol. Alors, on va voir que ça, c'est ce qu'on est en train de dire. On ne dit pas toujours comme ça. Des fois, hein, dans d'autres soirim, c'est marqué exactement le contraire. Mais ça, c'est ce qui est marqué dans les soirim du Gaon de Vilna. Il dit que Yosef, c'est celui qui lutte contre Esav. Et Machir ben David, la Bechina de David, c'est celui qui lutte contre Ishmael. D'accord ? Yehuda, Sfaradim, c'est Yehuda, ils sont contre Ishmael. Jeshkanazim, c'est Yosef, ils sont contre Esav. Veshneyem Yardav, Neged, Esav et Ishmael, Shem, Shor, Vechamor, de Touma. Les deux ensemble, c'est pour s'opposer aux deux forces de Touma, une de droite, une de gauche. Droite et gauche, c'est le côté Chesed, le côté Gvura, mais dans la Touma, c'est Shor, c'est la Gvura, Chamor, c'est le Chesed. Ok. Aïs dav gout shel Esav ve Ishmael, ou aider Armilos, sar aerevrav. L'union de ces deux forces, de Esav et Ishmael, elle se fait par quelqu'un qui s'appelle Armilos, dont on parle dans le Talmud, qui est le sar du Erevrav. Veyechola le achiv et Israël, vet kol haolam rachmana l'islam. Cette force-là, Armilos arracha. C'est pas Eliphaz. Non, c'est Armilos. Non, excusez-moi, c'est descendant qui vient. C'est la Wallian, non? Je rigole quand je dis ça. Entre les deux. Il y a eu ses fignons. Oui, tu as raison. C'est en fait Amalek. C'est Amalek, voilà, qui descend d'Eliphaz aussi. Amalek qui d'une certaine manière, est la réunion. Concrètement, on l'a vu dans le monde. Exactement. Il venait de Berkinat Bosmat et. Hein. C'est ça. Alors, voilà, alors regarde l'approche ici, tu as raison. Ikar a Sheifa shel Erevrav, où les Aveg étaient Esav et Ishmael, la force, la Sheifa du Erevrav, c'est qu'il veut unifier Esav et Ishmael. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ça que tu dis. Exactement. Ou les Afrid ben Shnea Meshichin, et séparer ces deux forces.
d'un côté ça, d'un autre côté ça, mais Vekan, Vechan ou Bazé, Ikar Avodatenu ou Milchamatenu à nous. Et ça, notre guerre à nous, notre combat, c'est d'aller contre ça, contre cette force justement qui veut désunir et qui veut au contraire unifier la Klipa. Les Chaber ou les Gamer et Koara et Revrav. Il faut qu'on brise ce Koara de Revrav. Klipa Tarmilos, Racham et Israël. Il faut la sortir d'Israël. Revrav ou Sonenu Achigadol. C'est notre pire ennemi. Ou un Mafrid Ben Shne et Meshichin. C'est cette force qui sépare entre les deux Meshichin. Klipa et Revrav, Poelet, Rak, Bederer, Shel Achizat et Naïm. Et vous comprenez, c'est rien qu'une illusion tout ça. Ou Beakifin, la Chen Amilchama Berevrav, Imilchama Achikaché. Ou Mara Vealenu, les Gaber Bechon, chez Erid Kochenu, Bemilchamazu. Et au contraire, c'est quelque chose sur lequel il faut effectivement faire beaucoup d'efforts. Mais comme Michel, c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui avec la guerre contre effectivement les forces d'Amalek qui sont contre nous. Mais comme Michel, nous, Osek Bepoel, Bemilchama, Neged Aerevrav, Naase, Mimela, Shutaf, la Klipa. Taerevrav, Vie, Michelier, Moutaf, Lo, Shelonivra. Il ne faut pas du tout faire de compromis. Pourquoi il a tenu absolument à les sortir, le Moshe Rabbeinu ? On va voir. Très bonne question. Ikar akor shel Erevra, ou Bechare Yerushalayim, ou Beyichud a Pitra de Karta, shel Alkav a Vinim, a Maharavi. Alors, ça, c'est d'autres secrets qui sont marqués là-dedans. Mais le C'est une question très très importante ce que tu poses. Pourquoi Moshe Rabbeinu voulait sortir alors que Kadosh Baruch Hu lui avait dit ça c'est Amécha, c'est ton peuple, moi c'est pas pour moi. Parce que c'est vrai qu'il y a une très grande Klipa, mais il y a des âmes d'Israël qui sont là-bas. Et en fait cette Klipa-là, elle tient prisonnière des âmes d'Israël. Alors, dans la Tralta des Geoula, en réalité, il y a une gabroute très grande du Révrav. C'est même eux qui tiennent le pouvoir, comme c'est marqué dans le Zohar. Des hommes d'Israël en potentiel, tu nous avais expliqué. Oui, mais c'est, ouais, quand on dit en potentiel, ça veut dire... C'est sûr, mais quand on dit des hommes d'Israël en potentiel, ça veut dire que c'est des hommes d'Israël. Ils se comportent maintenant comme des goyim. Ils ont des idées pires que les goyim. Mais c'est des hommes d'Israël. Pourquoi Hachem ne voulait pas ? C'est pas qu'Hachem ne voulait pas vraiment. Mais... ils n'étaient pas encore affinés, ces hommes. Donc, quelque part, c'est sûr qu'on voit que c'est ça qui a amené le veau d'or, c'est ça qui a renforcé le galoute. Et à la fin, c'est ça qui sort et qui vient pour empêcher le dévoilement du Mashiach, qui vient de l'union de ces deux forces messianiques, donc, qui sert à séparer ça. Aujourd'hui, tu vois que le par exemple... tu vois par exemple qu'il y a une tendance en Israël, qu'on n'a pas envie de voir, mais qui est là quand même, de gens qui cherchent finalement quelque part à détruire le projet d'Israël, ou même le projet sioniste, tout simplement. C'est une espèce d'anti-sionisme qui vient des gens qui veulent donner plus aux Arabes qu'aux Juifs, etc., qui veulent brader Yerushalayim, qui veulent... Pourquoi cette tendance-là? C'est en fait ce couard du rêve. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas des âmes qu'il faut sortir de ça. Tu comprends? Il y a une différence entre lutter contre une clipa et regarder les problèmes des individus. On te dit où est-ce qu'il est exactement ce rêve? Bechari ou Shalaim ou Beyichud à Pitra de Karta. Ce qui est une notion symbolique dans le Zohar qui est un peu compliquée. Mais ce qu'on pourrait dire sur ce Pitré Yerushalayim, Yerushalayim, Da Pitra de Karta Shebe Chazal Asher Sham Ikar Milchamat Shel Shne Meshirim Neged Saros Shel Esav. Le char dans la Torah, la porte d'une ville, c'est toujours l'endroit où on juge. Je ne vais pas parler de la Cour suprême, mais à Mévin Yavin. Parce que, oui, parce qu'effectivement, il y a un potentiel de destruction qui vient ici de la Klipa des Saves.
Tu vois que c'est la clipa des saves. C'est... Ils pensent plus comme... Ouais. Ils se mettent plus encore du côté des Européens que du côté du Ham Israël. Et c'est là-bas qu'elle a mis le Hama quelque part. Et c'est marqué. Ouais, c'est... Il légifère selon un droit qui n'est pas... Complètement. Et qui va à l'encontre même, finalement, des principes du bon sens de la survie d'une nation. Ok ? Le problème de la justice en Israël, il... mais tu vois que là, aujourd'hui, ça avance par rapport à ça. Il y a des progrès. C'est... Ouais, ils ont pris compte. Mais il y a un changement qui se fait petit à petit. C'est une maturation, c'est une de transformation. Voilà, en ce moment, de plus en plus, la Cour suprême, elle va perdre des prérogatives. Ce qui est une bonne chose, parce que c'est une aberration complète de laisser dans 9 personnes qui sont, mamache dans la clipa du Révra, complètement, cette capacité finalement de décider du destin d'une nation qui ne leur appartient pas. Ouais. Terroriste. Ouais, mais il est encore en prison, le pauvre. Ouais. Mais il est encore en prison, le pauvre. C'est un scandale absolu. Ça, c'est pas ça la clipa des saves. Cette clipa des saves qui en fait, ou d'Amalek, si tu veux, qui ne crie pas finalement d'autodestruction. C'est ce que tu vois en Europe aujourd'hui. L'Europe est en train de s'autodétruire. La clipa des saves, eh ben oui, ben, c'est sûr, elle s'autodétruit finalement. Ok, mais à la fin, c'est que Yosef, c'est lui qui détruit les saves. Enfin, on va voir. Shnei HaMeshichin M.M. à Shomrim ou Maginim al Kiyum Israël Bechol Adorot Gam Bimei Galout. Ce sont les deux messies, en fait, ce sont ceux qui protègent Israël pendant tout le Galout. Mais comme à Meikari ou Bechare Yerushalem le Pitra de Karta, comme on a expliqué, Vezesod Omdot Ayu Raglenu Bechare Yerushalayim. Raglenu, c'est quoi ce passage de Télim qu'on dit Omdot Ayu Raglenu, nos pieds se tenaient. Bechare Yerushalayim, ce qui, c'est deux plaies, hein? Emchte Mishrim, Besod Netzar Veod, qui sont les deux jambes, et qui sont aussi les deux messies. Ar Emaitam Yerushalayim Lahamod, Bebitachon, Keshirushalayim Abnouya, Keir Shechoubra Lahriachdav. Quand est-ce qu'ils peuvent se tenir bien, ces deux pieds, c'est-à-dire ces deux messies, ces deux forces messianiques? C'est uniquement quand il y a eu, effectivement, une réunion dans Yerushalayim Abnouya, et que chez Choubra la Yardav, qu'il y a eu la réunion des Juifs dedans. À ce moment-là, ça y est, il n'y a plus... C'est pour ça que finalement, c'est ce qu'on te dit dans Chazal partout, que la clé de la Géoula, elle vient dans le Kohar Yichud, dans l'idée de sortir de la Sinatrinam qui nous sépare, et au contraire de se réunir. Donc toute tendance qui va vers cette réunion, elle est bonne, elle amène la Géoula. D'accord ? Mais... Il y a deux choses en réalité dans cette phrase, si vous voulez être médaïenk. Parce que c'est à la fois Yerushalayim Abnouya, donc il y a une étape de reconstruction de Yerushalayim. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Il y a une fameuse dracha que vous connaissez sûrement sur Uval Etzion Goel. Uval Etzion Goel, Sheva Pesha. Okay. Uval Etzion Goel, la dracha, qui est une dracha de cet ordre-là, c'est que le Goel, il va dans Tzion. Donc il faut d'abord que Tzion soit reconstruit, que Yerushalayim soit reconstruit, pour que le Goël se révèle. Et ici, c'est la même chose. C'est, il faut qu'il y ait Yerushalayim Abnouya, c'est ce que tu vois aujourd'hui. Si on prend Yerushalayim d'il y a 100 ans et Yerushalayim d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. C'est une résurrection, c'est une reconstruction immense. Chaque année, c'est un développement énorme. D'accord, c'est énorme la reconstruction d'Yerushalayim. Et quand on dit Yerushalayim, c'est en fait tout Eretz Israël, mais particulièrement Yerushalayim. Alors, les antisionistes, ils disent, oui, mais toutes ces reconstructions, il faut les déconstruire parce que, en fait, ça n'a pas été fait par la Kdoucha. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est faux. Ça a été fait par un Israël qui finalement, a reconstruit son corps, a reconstruit sa ville, Karta de Shufraya. D'accord ? Maintenant, il y a un tikkun à faire à Pitra de Karta. Donc, à la porte de cette ville, il faut ranger. Il faut arranger la superstructure de cette ville.
les structures politiques, il faut les arranger, les structures étatiques, il faut les arranger, législatives, il faut, faut arranger la notion du Knesset. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Il doit y avoir un Sanhedrin, il doit y avoir des Chachamim, il doit y avoir des Anshe Emet. Il faut des gens vrais. Et à la fin, oui, un guilou du Mashiach. Mais pour ça, les étapes, c'est pour que les pieds, c'est-à-dire ces forces messianiques, ces forces de Géoula, ces forces émettes du clan Israël, elles puissent tenir de manière stable dans Yerushalayim. Il faut d'abord que chez Yerushalayim Bnouya, que Ir chez Choubra la Yardav, c'est un pasouk. Donc il faut que la Jérusalem soit reconstruite et qu'il y ait le Yichoud dedans, que les frères soient ensemble. Pas simplement les religieux d'un côté, les non-religieux, telle partie, telle autre partie, d'égal à je sais pas quoi, etc. C'est pas ça. Il faut qu'on arrive à Yichoud. Mais on y arrive. On va y arriver. C'est en avance. C'est en train de progresser. Mais ça se fait tout seul ou on a quelque chose à faire ? Plus tu vas le faire, et plus il y a des gens qui en prennent conscience, plus ils incarnent cette force messianique de rapprochement. Mais maintenant, le ratson profond, pnimi de chaque juif, c'est d'arriver à ça. Donc on va y arriver. C'est un le désir profond, même s'il est étouffé, même s'il est refoulé, même s'il est écrasé par des tonnes de clivotes, il est là. Et celui-là, tu ne peux pas l'éteindre. On a peur à un moment, comme tu disais sur ma chère Ben Yosef, on a peur qu'il meure. Mais il ne meurt pas. Od Yosef Chai. Zamaskana. Surtout aujourd'hui. Ça y est, c'est fini. Le sakana, elle est sortie. On a peur pendant l'exil, mais pas maintenant, au moment... Maintenant, on est dans les étapes de la Géoula. Alors nous, on doit juste faire le Yichoud, c'est ça qu'on va prendre. Toi, ce que tu dois faire, c'est effectivement, tu dois avancer. Le rabbi, il a dit, regarde, vous êtes des chassidim, vous sortez de votre ghetto, allez vers les autres, partagez. Donnez-leur le bonheur de goûter au mitzvot. Allez vers l'autre, va vers ton prochain. Même si ton prochain se trouve en main, vas-y. Tu comprends, c'est ça. Il faut qu'il y ait ce rapprochement, cette union. Ça ne veut pas dire que tu te fais phagocyter, que tu perds tes idées, etc. C'est pas ça. Mais petit à petit, il y a une union qui se fait. Et tu comprends que le plus important, c'est le Yichoud du Ham Israël. C'est ça. Toute la clé de la Géoula est dans le Yichoud du Ham Israël. C'est là que ma chair se révèle. Parce qu'il faut réunir ces forces messianiques pour que le Mashiach se révèle dans la forme du Gilgul de Moshe Rabbeinu. Le Yichoud, ouais. C'est clair pour les versets prochains. Donc là, le verset de la Moukha, c'est très important. Oui. Le vrai Yichoud, c'est que ça juste vendre un système. Parce que le fait qu'on soit séparés. Mais t'as raison. Au niveau d'un Nishama, il y a une rupture entre le Shema Vaya et le Yichoud. C'est... Il est éclaté ici. Mais Pachout, on n'a pas dit... On n'a pas dit vraiment... Il y a écrit comme ça. C'est pas marqué à Pitra des Montréal, c'est marqué à Pitra des Yerushalayim. À Pitra des Karta. Les Ekarta. Mais Bevadaï, si tu vois la vraie union... La vraie union, elle est là-bas. D'ailleurs, quand il y a des problèmes, Chas v'Shalom, c'est là qu'il y a un guilouille, encore plus, une accélération de ce guilouille qui se fait, dans une solidarité extraordinaire. Où tout le monde comprend qu'il est le frère de tous. Même celui qui est très différent. Parce qu'à ce moment-là, c'est, étant donné que c'est l'essence même du peuple juif qui est menacée, alors finalement, tout le monde se reconnaît comme une partie du même tout, qu'il soit Chiloni ou qu'il soit Dati, ça ne change rien. Ok ? Donc... C'est effectivement en Eretz Israël que tu peux le voir, parce qu'en Eretz Israël c'est beaucoup plus difficile, on est beaucoup plus disséminé, parce qu'on n'a pas cette dimension nationale. Mais ça fait quoi de partir si on part et on laisse les gens ici? C'est pour ça que après la réponse à cette question de partir, finalement, à part certains, la plupart des décisionnaires vont dire que c'est une question qu'il faut répondre de manière individuelle. Mais il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin.
l'idée de retour à Sion, d'aller vers Eretz Israël, c'est quelque chose qui fait partie des mitzvahs. Le Ramban, il pense que c'est une mitzvah. Habiter en Eretz Israël, mitzvah mina Torah, le Yeshuva Aretz. C'est pas évident juste de partir comme ça. Et eh bien, tu vois que ce qui se passe en Eretz Israël, c'est machpia sur le reste du peuple juif. Si on arrive à faire les choses en Eretz Israël, tout le reste va revenir. Mais c'est ça, pourquoi le rabbi il a pas dit aux gens d'aller juste en Israël de travailler là-bas, et ça va être machpia, il les envoie dans ce pays parce qu'ils faisaient des choses là-bas. Oui, oui. Mais si tu regardes bien dans certaines circonstances du rabbi, hein, le rabbi a favorisé aussi le fait que les gens fassent leur alliance en Eretz Israël. Mais ça n'a pas été sa politique de dire à tout le monde, allez, on fait une alliance de masse. Okay. Ça, c'est un problème, un gros problème à l'Arik, c'est un autre problème de responsabilité sur lequel peut y avoir des discussions. Ça n'a pas été ça, ni de dire à ces chassidim, allez tous habiter en Eretz Israël. Parce qu'après, au niveau individuel, il y a un Issayon, il y a plein de choses. C'est pas les gens qui ont dit « oui, oui, tout le monde, tout ça, attention !» Comme dirait Meir, il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs. Il y en a qui ont payé cher ce prix d'une alia... Tu comprends ? Mais c'est quoi le prix de rester en Galilée ? Mais exactement. L'assimilation aux États-Unis, les Juifs qui sont arrivés il y a 150 ans aujourd'hui, qu'est-ce qui reste d'eux ? Les familles juives de l'assimilation complète. Exactement, exactement. Qu'ils soient reliés au peuple juif. Pour notre Torah, c'est en Amérique. Et en Israël aussi, à l'autre côté aussi. On parle que oui. Mais c'est intéressant parce qu'il y avait le même problème. Ouais. Ouais, il y a eu le même problème à l'époque de Ezra. Quand Ezra il est remonté en Eretz avec les Olé Bavel, ils étaient combien ? Même pas, je sais même pas 20%. Ouais, même pas, je ne sais plus combien, mais c'est très peu. Les autres ils sont restés, il y en avait beaucoup qui se sont assimilés, il y avait des mariages mixtes, etc. Ouais. Mais s'il n'y avait pas. S'il n'y avait pas ce Beit Chabad au Congo, ou même juste ici, on parle du Congo, qu'est-ce qu'ils feront ? Mais oui. Qu'est-ce qu'ils feront ces 10, ces 20 qui ne connaissent rien, qui ne font rien ? Absolument. On a décidé de partir en Israël pour lui, mais c'est neuf. Ils ne vont pas les aider à distance comme ça. C'est absolument. C'est pour ça que le rabbi a dit à certaines personnes de faire leur alia. Beaucoup d'autres, il leur a dit de rester là où ils étaient et d'influencer et d'amener du bien là où ils étaient. Parce qu'en réalité, au niveau, si tu veux, individuel, chacun, il peut faire ce qu'il a à faire là où il est. Et peut-être il a une mission Chus Laaretz. D'accord ? Mais, par exemple, si tu poses cette question à un niveau plus collectif, bien que le rabbi n'a pas, si tu veux, embarqué comme dans l'idée de l'indépendance, en disant que c'était un... C'était que, non, il est resté en disant, ok, mais... Il a évidemment suivi les choses et influencé les choses pour que ce mouvement national, d'une nation qui est en train de se faire, il soit pour le bien-être du peuple d'Israël et pour la révélation de la Torah. Donc c'est pas qu'il a, il s'est coupé du Ham Israël en disant « Bon, bah, eux, c'est des Hilonim, ils font l'armée, mais... » Sûrement, il était là et complètement investi dans ce cheminement-là. Mais après ça... C'est aussi sa responsabilité en tant que rabbi de répondre individuellement à chaque question. Il y a une hashgacha klalit et une hashgacha pratit. Et tu ne peux pas mettre tous les pratim dans une hashgacha klalit en disant ça, c'est un système communiste. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que si on n'est pas le rabbi, c'est lui qui a un travail à faire en foot. Mais si on n'est pas le rabbi, il faut qu'on ait un rabbi. Non, tu comprends parce que même le rabbi il avait un rabbi. C'est ça, c'est que si nous on n'est pas le rabbi, ouais. On n'a pas la possibilité d'être quelqu'un qui influence comme ça, et on a une mission en guillemets en route ça arrête de donner des juifs perdus, on n'a pas cette possibilité d'influencer sur Israël, d'avoir ce contact avec eux là-bas. Oui, on va supporter, on va s'attacher à eux, mais on n'a pas. C'est très dur d'avoir ces deux dimensions. Si on n'est pas quelqu'un qui représente tout le peuple juif et qui a une influence sur ce qu'il dit, et qui va envoyer des juifs et qui va. Si tu travailles ici avec des juifs, voilà, celui qui est au Congo,
il influence les juifs du Congo, mais je sais pas s'il va. C'est sûr. Mais c'est sûr qu'on est Eretz Israël aussi, même si tu participes à une dimension collective, tu participes toujours quelque part comme un individu, si tu veux. Suppose quelqu'un qui fait l'armée, alors il participe à quelque chose, mais bon, ce qu'il a fait, c'est juste son niveau à lui. Mais son niveau à lui fait partie d'un autre ensemble. Mais en fait, en Chouss Laaretz aussi, quelque part, quand tu fais quelque chose pour développer l'identité juive, pour la véhiculer, pour la transmettre, pour l'enseigner, pour la partager, tu fais aussi quelque chose qui a une dimension aussi collective, bien sûr. Qui est moins directement lié avec cette structure du gouffre dont on parlait tout à l'heure. Mais quand même, écoute, dans une nation, tu as des gens qui sont plus dans ça. Même en Eretz Israël, tu as des gens qui vont se consacrer au Limoud HaTorah. Et comme on disait tout à l'heure, c'était même accepté par Ben Gourion à l'époque, qui lui-même a proposé ça au Rabbanim. Alors que le Rabbanim n'osait même pas demander ça, qu'il leur a proposé que les Bachour et Yeshiva ne fassent pas l'armée. Parce que lui aussi, bien qu'il était Chiloni, bien qu'il ne faisait pas Shabbat, bien qu'il ne faisait rien du tout au niveau religieux personnellement, il avait une compréhension qu'il fallait qu'il y ait ça aussi dans le cas d'Israël, que c'était une réalité, qu'il y a toujours eu des sages qui étudiaient la Torah et qu'il faut que ça continue. Et donc, il était prêt même à ça, à se priver d'une partie de la jeunesse dans l'armée pour que cette jeunesse se consacre à l'étude de la Torah parce que, au fond, on doit comprendre qu'il y a aussi des gens qui doivent faire, qui étudient la Torah. D'accord ? Même si, de manière globale, peut-être qu'à un moment, dans cette réunion, on voit, et puis on a vu dans l'histoire, à l'époque de David, etc., que c'était aussi des tzadikim et qui faisaient la guerre. Mais c'est pas comme on aurait pu croire un truc où on ratiboise tout vers le bas. Et finalement, non. Il y a aussi des gens qui doivent mettre aussi le meilleur de leur énergie dans le Limoud HaTorah. C'est de 18 à 21 ans, c'est aussi des moments où on peut complètement se consacrer à la Torah. Par rapport à ce qu'il disait du rôle de chacun dans la galoute et tout ça, on ne peut pas juste s'en tenir aux prémices de base que tu nous avais expliqué quand il y avait Shvirat HaKelim, qu'il fallait les récupérer dans toute la galoute. Oui, 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 bien sûr. Des nids tout seuls. Nachinami. C'est pour ça qu'on est à cette mission de base. La réponse du Maharal de Prague, c'est de dire pourquoi le peuple juif est parti en exil, parce que ça ne suffit pas, Eretz Israël. En fait, tout doit devenir Eretz Israël, donc on doit élever des étincelles de Kedusha, on doit transformer aussi la Gola. Il y a aussi une Torah de la Gola. Il y a une Torah d'Eretz Israël, mais il y a aussi une Torah d'ici, il y a aussi un tikkun, et ce que tu fais là, je ne sais pas où, dans quel bled, en réalité c'est pour élever un étincelle de Kedusha, et pour réparer toute la création, donc tu as tout à fait raison. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas rentrer non plus dans une espèce d'extrémisme dans l'autre sens. D'accord ? Mais la vérité, tous, oui et non, c'est à cause de quelque chose qui précède même la création du monde. Puisque les Bnei Israël, ils ont été exilés avant même qu'il y ait le Beth Amikdash, puisqu'ils étaient exilés en Égypte déjà. Oui, le nom du Beth Amikdash, c'est le tikkun que j'espère à partir du Beth Amikdash de Yerushalayim pour le tikkun du monde entier. Oui et non. Et comme ça n'a pas marché. Oui, mais comme ça n'a pas marché, parce que quelque part, ça ne pouvait pas marcher. C'est comme dans, après Matan Torah, il y a eu le Vaudor. Ah, s'il n'y avait pas le Vaudor, tu aurais été réglé. Mais il devait y avoir le Vaudor, parce qu'il y avait le Erevra. Pourquoi il y avait le Erevra ? Parce que le tikkun du monde n'était pas fini. Il y avait encore un Irvut Tovara. Donc il y avait aussi encore un mélange de bien et de mal, même à l'époque du premier Beth Amikdash. C'est marqué dans le Midrash, dans le Targum Sheni, Midrash qui s'appelle Targum Sheni sur Megillat Esther, que même à l'époque de Shlomo Ameler, et encore plus pendant les autres générations du premier Beth Amikdash, jamais la Shemitah a été respectée. Jamais. Pourquoi ? Parce que même si on voyait Shlomo Ameler, etc., le corps de l'Emouna n'était pas complètement chalem. Parce que pour faire la Shemitah, il faut une grande Shlemout. Donc tu vois que les choses n'étaient pas encore arrangées. Et puis effectivement, une génération après, ils ont recommencé à mettre des idoles. Il a mis deux grands veaux d'or, etc. Donc quoi ? C'est parce que ce corps, il n'a pas été complètement... On a le Beth Amikdash, mon favori d'Azara. Donc, c'est pas... Ça s'était prévu aussi, ça, on le savait, Hachem. Tu crois qu'il ne savait pas ? Il savait que on aurait pu s'en douter qu'après Matan Torah, il y a le Vaudor. Puisque les Neshamot ne sont pas encore... Le birour, le tikkun d'Adam Arjan n'est pas complètement chalem.
Donc il y avait des étincelles de Kdoucha qu'il fallait les ramasser. Comme on a expliqué dans le Harizal qu'il y avait 202 étincelles de Kdoucha qui étaient en Égypte, qui ont été ramassées, mais après ça, il y avait encore 86 dans le monde entier. Alors pourquoi est-ce qu'il y avait le Beth Amikdash ? Le Beth Amikdash, premier et deuxième, sont des Achanot pour le troisième Beth Amikdash. Le vrai Beth Amikdash, c'est le troisième, celui-là sera Nisri. Le premier et le deuxième, c'est des étapes dans le Beth Amikdash. Pourquoi c'est comme si tu pourrais demander aussi, pourquoi il y a le Matan Torah alors que après ça, il y avait encore l'idolâtrie du Vaudor ? Donc on ne devait pas recevoir la Torah. Et quelque part, oui, elles ont été brisées, les premières louchotes. Et effectivement, le vrai Matan Torah, ça va être au moment de Mashiach. Torah Hadash Amiatitelse, etc. Ça va y avoir un grand guilouille de la Torah d'Atika Kadisha Stima, des plus grandes profondeurs, qu'on n'a pas encore eu à vraiment accès, sauf qu'un petit peu avec la Kabbalah et la Chassidut. Mais, malgré tout, il fallait Matan Torah pour arriver aussi à faire tous les birourim qui permettent d'arriver à ça. C'est-à-dire que on passe par des hauts et des bas, il faut d'abord Galgout Sheni, rentrer dans la Katnout, etc., pour arriver finalement à tout réparer. Chazak. Il y a des redescentes, mais dans la redescente, tu redescends avec plus grande profondeur, et après il y a une tchouva, il y a un tikkun. Concrètement, c'est sûr que... la Sheifa, le désir pour entrer en Eretz Israël, doit être fort. Rabbi Nachman dit clairement que tout dépend du Ratson, tout dépend des Kisoufim qu'on a pour Eretz Israël. Pourquoi ? Tout dépend de quoi ? Pour rentrer ? Pour aller en Eretz Israël. Il y a une grande mala, mais les massés, c'est juste qu'on ne peut pas toujours comprendre. Baal Shem Tov n'a pas réussi à aller en Eretz Israël. Rabbi Nachman est revenu au bout d'un mois. Le Gaon de Vilna a arrêté son voyage. Et Rabbeinu Hazaken, le Admor Hazaken aussi, finalement il a renoncé. Le Rabbi n'est jamais rentré en Eretz Israël. Et il n'y a pas de Ta'am vraiment à l'Achik, bien qu'il a dit toujours des Ta'am à l'Achik, mais... La vraie raison, il n'a jamais dit. Comment quelqu'un peut avoir vraiment la ratson d'Adam Israël alors qu'il ressent, c'est pas nous, mais quelqu'un ressent qu'il est une mission de feu. C'est un peu contradictoire. Mais tu pourrais y aller quand même une semaine. Je parle pas du rabbi. Je parle de quelqu'un qui habite. Ils n'ont pas du ratson d'aller habiter, là. Ils n'ont pas du ratson d'aller, non ? Quand j'ai une affaire, il n'est pas du ratson. Ouais, il allait habiter, mais tu vois que lui, il n'est pas resté là-bas. Pourquoi il n'est pas resté là-bas ? C'est pas qu'il manquait de ratson. Du sens du décalage. C'est parce que lui aussi, il avait une mission contre Israël. C'est ça. Mais nous, on ne voit plus de mission contre Israël. On veut Eretz Israël. On veut Eretz Israël ou pas ? À sentir le décalage. Mais on le sent, le décalage. Le décalage, il y a si les gens derrière. Regarde ça. Tu vas en Israël, à Yerushalayim, tu vas en Kotel. Et tu sens à quelque chose. Oui, c'est énorme. C'est que les batteries, et que quand tu vas à Ben Gurion, tu dis, mais j'ai envie de rester, je ne sais plus ce que je veux faire. Tu te sens tellement bien. Mais quand tu vois un juif, faut prendre que des billets. Allez. Quand tu vas voir Baba Salé, je te promets, tu vas voir Baba Salé, mais tu vois, tu deviens fou, tu es là, tu dis, c'est impossible. Tu sens quelque chose, tu sens des trucs bizarres, je te promets. Tu sens des trucs bizarres, des trucs paranormaux, je te promets, tu vas, tu mets tes mains sur le. J'ai l'impression que tu. Il y a des trucs bizarres, je te promets. Mais quand tu vas voir un bizarre, non, bizarre, ça veut dire. Tu as raison, Nathanaël. Il te dit simplement que. Oui, c'est sûr que c'est le jour. Moi, je t'aime très bien. Je le sens, mais c'est quelqu'un qui voit. Mais regarde, votre discussion est intéressante parce qu'on a tous cette dualité en nous. Tu vois un juif qui va se passer avec une Goya, tu vois des gens qui ont des choses comme ça. Faut pas laisser ça arriver et aller au côté. C'est pas de sens, c'est contradictoire. Oui et non. C'est complémentaire. Chacun son rôle. Oui et non, parce que si tu veux habiter là-bas aussi, tu vas faire des choses là-bas. Tu comprends ? Tu auras une mission aussi là-bas. Oui, mais il y en a voilà, qui ont reçu une. C'est pas un refuge. Eretz Israël, c'est pas vraiment un refuge. Ouais. Sûr que non, mais c'est pas qu'ils sont. C'est un refuge, on le dit comme ça, mais en fait, c'est pas un refuge, c'est quelque chose qu'il faut au contraire. Tu vas aller là-bas, tu vas travailler. Tu vas te battre là-bas. Mais c'est tout ce qui travaille ici, ils pensent comme ça qu'ils vont travailler ici. Ouais, mais les sourines. Le Maral, il explique sur cette Gemara que Beïsourin, ça veut dire avec le Moussa. Ça veut dire qu'il faut s'affiner pour rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il faut. Les épreuves qu'on a en Eretz Israël, en réalité, c'est juste pour s'élever.
Il y a tout. Si demain tous les rabbinis de la communauté décident de faire une alia, il n'y a même pas ce qu'il est, c'est ceux qui décident pas, ça va faire quoi? Mais tu as raison. Mais ça fait combien de temps que tu n'es pas en Eretz? Ça fait combien de temps que tu n'es pas en Eretz? Si tu étais revenu avant-hier, tu dirais pas ça. Je suis d'accord. Parce qu'on a ces deux choses en nous. C'est quoi ces deux? Il faut savoir où est. Il faut savoir où est-ce qu'il est le. Kanadéa. Tu veux lui donner un l'iknot d'air? Mais est-ce que. Kanadéa. L'iknot d'air. Mais voilà, ceux qui avaient cet amour du juif comme ça, ils ne peuvent pas. C'est un grand, une grande madriga de dire ça. C'est une grande madriga. C'est qu'un ils sont comme ça, mais ils ne peuvent pas. C'est une grande madriga. Voilà, comment il s'appelle alors? J'ai oublié. C'est comme qu'il n'y avait pas d'enfants, mais il criait pour tout le monde avec des enfants et chacun avait sa voix. Ces gens-là, c'était comme ses enfants. S'ils les voyaient chaque fois que ce soit, ils, n'importe quel grave qu'on faisait comme ça pour eux. On peut partir et les laisser comme ça. Comme le rabbi. Des belles routes. Voilà, le rabbi ne pouvait pas. C'est belle qu'au Canada. Des belles routes, c'est ça. C'est drôle, quand même. Il y a des routes. Enfin, voici la batterie, c'est des routes. Tu sais, il y a des routes. Pas comme Gouel. Moi, les gros, il y a des trous partout. Une page de un côté. Là-bas, c'est le trou de la grenade. Tu entends pas là-bas. C'est ça. Des routes, c'est des tapis roulants. Tu sais, le. Colin d'Israël, là, dans la sortie d'Égypte. C'est dans le désert avec les. C'est un peu. Bon, Adonai, Olam, Amen, Amen. Ben, attachez mon nom, venez cher directement. Amen. On peut attendre, mais voilà, on est prêt. Le monde, le clan Israël y attend, c'est ça son vrai désir. Hein? Le vrai désir du âme Israël, c'est d'être. Il fait beau, belle température toute l'année. Comme Emiyut, l'Arzen. 22 degrés. Trop chaud. Il n'y a pas moins 38, il n'y a pas de la neige au mois d'avril. Maintenant, disons ma chère qui se dévoile, maintenant. On est prêt. On est partout. Tous. On part tous. On lâche tout, on part. On va lui demander ce qu'on doit faire. We are ready. À votre cas. We are ready. Bat Hashem.